Hello les gens, ici c'est Shadowar et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 36 sur The Last of Us. Ça sent la fin, nous sommes à 97% du jeu. Ça sent la putain de fin. Ça sent quand même la fin là. Je sais que ça fait, je sais pas combien d'épisodes que je dis ça, mais ça sent la fin quand même. Bref, allez. On va continuer, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai dû arrêter entre les deux, entre l'épisode précédent et celui-là. Je vous avoue que j'ai hâte de continuer. Où ça? Coucou! Eh non, j'étais pas là en fait. Les mectons, on va se faire un petit alcool. On y va en douceur. En douceur. Ah, on reconnaît le truc des lucioles de la dernière fois. Ok. Bon, ils sont loin, ils sont loin. J'ai amélioré le rayon d'écoute. Ça me permettra de. Non! Oh putain! Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est là-bas, non? Je ne suis pas là-bas, mon ami. Non! Fils de chien, va. Il se ramène? Ok. Allez-y. Voilà. Comme ça, vous passerez pas par là déjà. Tu passes dans les flammes, toi. T'es un fou! Tu veux pas enlever cette lumière? Elle me gêne un petit peu. C'est bon? Vous avez eu votre compte? Ouais? J'aime le feu. Ah, comme ils ont cramé comme des bouses. Ah, ça fait plaisir. Donc je suppose qu'il va falloir qu'on aille dans cette porte. Donc une bouteille, c'est bien. Je préfère les bouteilles. Oh. Encore des pelules. Attends, je vais vous allumer la lumière. Vous verrez mieux comme ça. Ok, ici c'est. Est-ce qu'il y a un truc? Non, il y a que. Ok. On va vite fait faire le tour, voir ce qu'il y a à ramasser. Ça, c'est une brique. J'ai vu ça tout à l'heure. Devant là. Que dalle. On va aller voir tranquillement ici. Rien. Ici. Voilà, du scotch. Un bout de papier, est-ce que j'ai de quoi faire quelque chose? Non. Rien d'intéressant. Je suis un peu blindé là, hein. J'ai. C'est très joli, très abstrait, mais je m'en fiche. Là-bas. Non, c'est pas une sortie. Ok, on va aller voir au fond vite fait. S'il n'y a pas quelques trucs à récup. Et la réponse c'est non. Ok, bon, bah c'est parti. On y go. Allez. J'espère ne pas arriver trop tard. Une chaise, c'est bien aussi. Ok, donc c'est qu'il fallait monter. Donc on va aller voir en bas. Rien du tout. Oh, vous auriez pu mettre un petit truc caché comme d'habitude, quoi. Hop. D'accord, c'est fermé. C'est des bonnes barricades par rapport à la chaise, c'est sûr que c'est des super bonnes barricades. Ok, il y a du courant ici. Il y a un générateur derrière. Je peux pas couper le générateur pour l'empêcher d'avoir du courant. Bonjour. Y'a quelqu'un? Un papier. Magnétophone du chirurgien. Écoutons ça. 28 avril. Marlène avait raison. Je n'avais encore jamais vu ce type d'infection. La cause de l'immunité de la fille reste incertaine. Comme observé dans tous les cas précédents, les titres antigéniques du cordyceps restent élevés dans le sérum et le liquide cérébrospinal. En laboratoire, les échantillons de sang de la patiente développent rapidement le cordyceps en milieu fongique.
La différence, c'est que les globules blancs, aussi bien en pourcentage qu'en valeur absolue, restent à un niveau normal. Ah, d'accord. On n'a constaté aucune augmentation de cytokines pro-inflammatoires. Et l'IRM cérébral n'a décelé aucun signe de contamination fongique dans le système limbique, qui accompagne d'habitude le prodrome d'agressivité chez les patients infectés. On doit trouver un moyen de reproduire cet état en laboratoire. On est sur le point de faire une découverte aussi cruciale que la pénicilline pour l'humanité. Après des années à tourner en rond, on va enfin pouvoir faire la différence et permettre à l'homme de redevenir maître de son destin. Tous nos sacrifices et toutes ces centaines de vies perdues pour cette cause n'auront pas été vains. J'espère que vous n'avez pas massacré beaucoup de personnes. Parce que sinon, Papa Joël, il va pas être content déjà que vous voulez tuer sa fille adoptive. Bonjour. Bonjour, il y a du people là-bas. Bon, ça m'a l'air d'être par là, donc je sens que je vais être obligé d'aller là-bas. Ouais, d'accord. Hop. Et j'ai un surin. Pan. Coucou, donnez-moi plein de trucs. Oui, ça c'est bon. Petit pendentif de Luciole. Ça c'est bon, je prends. Ça c'est très très bon. Une munition de fusil à pompe, je prends aussi. C'est très très bon. J'hésite quand même, parce que la hache, ça one shot. Mais bon, je vais quand même prendre le bâton, allez, tant pis. Lâche ça one shot, mais le problème c'est qu'elle est un peu abîmée. Ok, en fait ça permettrait d'entrer par un autre côté. Allons voir là-bas vite fait. Hop, ici. Un bout de papier. Encore un magnétophone. Bon. Désolé, on va l'écouter quand même. Il est 17h30 et on est... Ah pardon, je pensais que je pouvais bouger en... Mais zut. Zut! Vas-y, écoute-nous ça. Il est 17h30 et on est le 28 avril. C'est quand le 28 avril? Je viens de finir de parler... Non. De hurler sur notre chirurgien en chef. Apparemment, il est impossible d'extraire le parasite sans éliminer son... Oh là là. Autrement dit... Ils vont devoir tuer cette gamine. Ils me demandent de leur donner le feu vert. Les tests sont de plus en plus difficiles, j'ai l'impression. Ça se voit qu'elle est épuisée. Je suis épuisée. Je suis épuisée et je veux que ça s'arrête. Alors, soit. Ah, on voit que... On voit le petit côté de... Parce qu'elle a fait la femme forte devant nous pour faire genre c'est pour le bien, l'humanité, tout ça. Mais en fait, ça la touche beaucoup. Aussi. On s'en est douté quand même. Hein. C'est pas fou. Ah, ben voilà, si je peux l'améliorer, par contre, ça change tout. Par contre, j'ai fait le con parce que j'aurais dû prendre le surin, quoi. J'aurais dû faire un autre surin parce que c'est largement plus utile, là. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Dépêchons, dépêchons. On va rentrer par la porte qu'on a ouverte. Là-bas, ça brillait. Illusion d'optique, illusion d'optique. On va recharger. Recharge-moi ça. Voilà. Nickel. Recharge-moi ça. C'est rechargé. Recharge-moi ça, c'est rechargé. Ça, c'est rechargé. Ok. C'est parti. Bon, personne pour le moment. Je vous avoue que c'est beaucoup trop calme pour qu'il y ait personne totalement. Mais t'as pas de musique super stressante alors. Hein. Ils vont arriver, c'est sûr. C'est beaucoup trop grand pour qu'il y ait personne. Ils vont arriver à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que j'ai quoi de refaire un surin? Non. J'ai pas de quoi faire un surin, mais. Mais. Mais je peux faire une autre bouteille d'alcool. Et ça, c'est cool. Pour allumer le feu. Donnez-moi une autre lame, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi? Un bout de papier. Journal de Marlène. Oh là 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 là. Désolé. 15 mars, nous avons enfin passé la frontière de l'Outa dans le... Le moral des troupes était meilleur. Le sujet de 17 de Craig et Tania. Ah, mais ça fait du bien. 23 mars, Ellie ne s'en est pas sortie.
Nous sommes arrivés à l'hôpital, c'était la fête, du moins pour les autres. Le bonheur de retrouver les amis, certains ne s'étaient pas vus depuis 10 ans. 23 mars, Eline s'en est pas sortie. Mais bien, j'aimerais simplement fermer les yeux. Comment ça, Eline s'en est pas sortie? Nous sommes une bande de trophées en temps, qu'est-ce que j'étais censé faire? J'ai cru que j'allais mourir, mes hommes étaient traqués. Destin, il fallait que je fasse quitter la ville. Déjà, ok, j'ai paniqué au final, je me suis rétabli tout le monde. Est-ce que c'est vrai? J'ai une incompétente, ils ne peuvent pas leur parler, nanana. Putain. Il y en a toute une jeune fille qui est en train de passer le terminal du suspense qu'elle a les cheveux roux. Arrête un peu Marlène. Bah tu te quand tu es dans les ténèbres, cherche la mienne. Elle est en vie. Ils lui font passer des tests. Je ne saurais pas dire si je suis effrayée ou simplement nerveuse. Tout ce que je sais c'est que c'est maintenant tremblée. D'accord, ok. Donc en gros, elle croyait qu'elle était morte. Et puis après, comme nous, on est un super-héros de la mort qui tue, ben en fait, on s'en est sorti quand même. Et puis, tagada, tagada, soin de soin. Pardon. Ouais, c'est ça. J'arrive. Oh là 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 là. Il va y avoir beaucoup de people, je suppose. Lot of people. Ok, pour le moment. Ils sont là-bas. Ils sont beaucoup, mais pour le moment, ils sont là-bas. Donc, ok. Attendez. Je l'ai pas vu de l'autre côté si. Voilà, c'est ça, j'ai pas fait les chambres de l'autre côté. Il peut y avoir une brique. Mais je préfère les bouteilles. C'est qui ce type? Il est où? Non, il est encore là, ok. Il est avec la gamine. Eh oui, je suis avec la gamine. Je suis son papa de substitution. Et j'ai été très gentil avec elle, alors je ne mettrai pas que vous soyez très méchant avec elle. Donc je vais vous buter. Parce que c'est comme ça la vie. Allez, on y va mes loulous. C'est l'heure de crever. Ouh, mais c'est que vous êtes beaucoup, dites-moi. Ok. D'accord, ok, ok, ok. On va se calmer les gens, hein, on va se calmer. Ce que vous allez faire, c'est venir tranquillement vers moi et mourir dans notre souffrance, ok? On fait comme ça? On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va profiter du bordel pour passer sur le côté. Est-ce qu'il y a un monsieur pas loin? Non, pas de monsieur pas loin. J'aime bien les mecs, il y a un de leurs potes qui s'est fait cramer, ça les inquiète pas plus que ça. J'aime bien parce que si j'allume la torche. Oh merde. Qu'est-ce que t'as... Mais putain, j'étais derrière lui quand même. Alors votre poteau il est mort, est-ce que vous venez le chercher ou pas? Non, vous en avez rien à foutre? Ok. C'est cool alors. Vous êtes gentil envers vous-même, j'ai l'impression. Pendant ce temps-là, moi je me balade. La la la. Ok, ils sont encore loin. Ils sont assez loin. Je peux m'avancer sans trop de crainte. Une fois que je les aurai butés, de toute façon je vais fouiller tout ce bordel. Wow wow. Oh, je l'ai pas vu lui. Le con. Voilà, montre-toi. Des petits bruits sympas en tout cas. Oh 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 oh. Bon, on passe aux choses sérieuses ou pas? Mais si, que je peux rester planqué. Vu que vous êtes des chiffres molles. Regarde. Ah, je sais que tu m'as vu. Et toi, t'es où? Et bah toi, t'es par terre. Alors, ton petit pote, le dernier, il est où? Je sais qu'il en reste un, faites pas les malins. Oh, des balles de Diablo, ça c'est bon. L'autre, je sais qu'il est là. Tu vas te prendre une balle de Diablo. Tu vas rien comprendre, mon petit. Mais non, on va pas voir là-bas, reste là.
Non, tu m'as pas vu. En fait, je pense que la lumière doit me faire repérer, mais je vous la laisse pour que vous puissiez voir quelque chose. Ok, il est pas mort. C'est pas très grave. Ah, ça m'empêche de le tirer. Hop, il est mort. Toi, c'est plus qu'une question de temps. Oh non, t'es pas mort. T'es résistant, ma dieu. Alors. Allez, monte ta tête cette fois-ci, c'est la bonne. Aïe. Boom, bitch. Boom, bitch. Allez, relève-toi une dernière fois. Et on va en finir les deux. C'est bon? Ah, il est pas mort lui. Ah bah voilà. Par contre on va se soigner parce qu'on a plus beaucoup de vie. Mais bon. Pardon. Et je vais aussi recharger ma petite lampe. C'est bon? Tout le monde a fini de faire son bordel? Phew. Non, je m'en foutais. Le con il m'a ramassé la... la bouteille. Je m'en fous. Donne-moi cette bouteille, voilà. Alors, ceux qu'on cramait tout à l'heure, ils sont par là-bas. Voilà, et celui-là. Il y a celui qui était là. Mais que je sais pas pourquoi il a disparu. Ok, je fouille vite fait l'endroit. Qu'on voit ça. Ça, c'est une brique, j'ai déjà regardé. Là-dedans, il y avait que dalle. Ici non plus, ici non plus, ici non plus. Les radins, ils avaient rien filé, quoi. D'habitude, il y a toujours une petite route, genre, que tu peux prendre. Qui fait plaisir. Où tu dois trouver des trucs. Là, gros radin, en mode gros radin. Que dalle, ok. Sympathique, c'est sympathique. Ok, allez, on y va. Hop. Ferme tout ça. C'est bien, il assure ses arrières. Notre petit Joël est prudent. Très prudent. C'est ça. Oh, c'est mignon. Donc là, on est en pédiatrie. Ah, va falloir faire toutes les chambres. Bon, bah, ça va prendre un petit peu de temps. Ah, un deuxième magnétophone. Écoutons ça. Salut, Anna. Anna ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je viens de donner mon autorisation. Oh merde. Je crois que j'avais pas vraiment le choix. Me demander n'était rien d'autre qu'une formalité. C'est qui, Anna ? Je tiens à ce que tu saches que j'ai tenu parole pendant toutes ces années. Ah d'accord, c'est sa mère. C'est la mère de Ellie. Malgré tout ce que j'avais à faire, j'ai veillé sur elle. J'aurais fait n'importe quoi pour elle et il m'est arrivé... Un choix difficile. On a une chance de nous sauver. De nous sauver tous. C'est ça qu'on cherchait. Ce que toi, tu cherchais. On m'a demandé de tuer le passeur. C'est hors de question que je tue la seule personne ici qui connaisse le poids d'une telle décision. Ouais. Peut-être qu'un jour, il me pardonnera. Oh, tu me manques, Anna. Ouais, en fait, c'est sa mère, elle devait être dans les Lucioles, ça devait être une chirurgienne ou un truc comme ça. Vous avez intérêt... Parce que quand j'arrive, elle soit pas morte. Sinon, je vous bute tous. Attendez, parce que j'avance comme un gros bourrin. Si ça se trouve, il y a des mecs, quoi. Non. Oh, putain, elle est là. Oh, je suppose qu'on va arriver, il va y avoir Marlène, et puis... Non, je vais pas la voir tout de suite. Moi, je vais aller là-bas. Ça m'a l'air bien, là-bas. On prend le fusil à pompe. Même si je sais que ça va être Marlène et qu'il va y avoir un putain de dialogue et une cinématique. J'espère qu'elle est en vie. Faites qu'elle soit en vie. Ah, ils sont pendant le... Là, c'est l'opération qui est en train de se passer, là. Oh, merde. Putain de merde. Docteur ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend. Ne vous approchez pas. Attention. Je suis censé faire quoi ? Mais je veux pas le tuer !
Laissez-moi passer. Je veux passer. Mais arrête, je veux pas te tuer. Non! Ce monstre! Carrie, tu vas la fermer! Je fais comment? Je fais comment? Dites-moi comment que je fasse. Ah, d'accord, ok, comme ça. Allez, Ellie, je te tiens. Je te tiens. Oh merde. Ah, d'accord. Reviens! Allez, go, go, on fonce. Vous m'aurez pas. Jamais. Je te tiens. Allez, go, go, go. Allez. Putain, ça sent tellement la fin que... Non. Allez, allez, allez. Allez, il y a un ascenseur là. Reculez, j'ai dit. Wow, wow, wow. Ça va finir que c'est Joel qui va se faire buter. La musique de fin là. Bon, faites qu'elle se réveille parce que si s'il la déplace et qu'elle meurt et qu'ils peuvent finalement rien faire. Tu ne peux pas la sauver. Marlène. Tu l'as fait sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Qui ça? Anna? Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore... faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Non, bah c'est sûr, elle va mourir. Ah, c'est pas moi qui conduis. J'entends une respiration de fille. Ah tiens. C'est quoi ce truc? Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis pas qu'il a tué Marlène. On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Oh, il lui ment. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont... ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Putain, il a tué Marlène, quoi. Attends. Ne me tue pas. Pitié. Mais non, tu veux pas la tuer, quand même. Tu chercherais à la retrouver. Non! Putain. Il est violent ce Joël, hein. Dis donc. Il aime pas trop qu'on touche à ses filles. Enfin, aux gens qui aiment bien, quoi. Ok. On dirait
dirait qu'on va devoir marcher. Ah. Ça devrait être direct par là. Cette fois-ci, on a à nouveau Ellie. C'est plutôt joli, non ? D'accord. D'accord. Attention à ta tête en passant. Là, c'est bon. Là, je sens que je suis plutôt jeune. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. T'es une bonne marcheuse, j'étais souvent à la traîne. C'est mignon, il en parle maintenant. Je crois que... Hop. Je suis sûr que vous vous seriez bien entendues, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimé. Et je suis sûr qu'elle aussi. Ouais, enfin, maintenant, elle aurait dû avoir 26, 28 ans. Regarde en bas. On est presque arrivés. C'est bizarre, juste avant d'arriver à l'hôpital, elle voulait pas l'aller. Et là, maintenant, on a l'impression qu'elle est déçue de pas... Je sais pas si elle est déçue de pas être unique ou alors de... Bah, bien joué. Je fais comment pour monter, moi? Et là, je te tiens. Allez, hop. Je me demande comment ce jeu va finir, parce qu'il y a tellement de rebondissements. Allez, viens. Attends. Qu'est-ce qu'elle va dire? À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. Ah. On savait pas quoi faire. Alors... Elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. Ouais. J'attends toujours mon tour. Ellie... Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam... Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Que ? Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Merde. Je te le jure. Menti deux fois de suite. Compteur de mensonges, mon père. On va mettre. Ok. Et c'est terminé. Eh ben dis donc. Sacré jeu. J'espère que avant de regarder tout ce playthrough, vous l'avez fait pour vous. Maintenant que vous avez un peu l'histoire spoilée si vous l'avez pas fait quoi, et que vous comptez le faire. Mais il vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment le coup d'être fait. Au moins l'avoir vu une fois. Je sais, on a l'impression que je parle d'un film, mais non, c'est bien un jeu et tout, mais. Ah, je pense qu'on peut espérer quand même un 2 après ça. Peut-être pourquoi pas un The Last of Us qui se passerait 10 ans après. Que Joël serait plus en état de cavaler tout ça. Et qu'on incarnerait Ellie, ils l'ont bien fait là. Et qu'on repartirait chercher les Lucioles, patati, patata. Donc pourquoi pas chercher d'autres gens qui sont immunisés. On verra bien, on verra bien. En tout cas, s'il est aussi excellent que celui-ci, ça promet, ça promet. Bon,
Ben, j'espère que vous avez aimé ce playthrough, aimé cette vidéo, aimé partager ce fort moment d'émotion tout au long de ce jeu. Tous ces moments d'émotion. Et je vous retrouve une prochaine fois pour un autre playthrough, pour une autre vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin, je vais certainement reprendre le playthrough de BioShock. Mais j'hésite encore. Ça dépendra de l'engouement et de l'envie, tout simplement. Bon, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis donc à une prochaine fois, à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Allez, salut, salut à tous. Ils reviennent, et ils ont la dalle va Dieu. Bientôt le DLC sur nous, bitches. J'arrête un écran, portant la mention play again.